Je t'attendrai. Jésus, c'est tout pour moi, c'est un petit peu notre chant Princesse Disney de l'album. On en rigole beaucoup avec Dan parce que c'est un chant qui... C'est un chant qui a des mots comme danger, ombre, qui a flamme, des mots comme ça qui font un petit peu épique. Mais je crois que c'est un chant qui est profondément important et actuel. Actuel avec tout ce qu'on vit aujourd'hui globalement et puis personnellement. Et en fait, je pense qu'il restera même actuel toujours parce qu'on vivra toujours des difficultés ou des épreuves ou on connaîtra toujours quelqu'un qui vit... quelque chose de difficile. Et c'est le cœur de ce chant-là, c'est que au milieu des difficultés, au milieu de tout ce qu'on peut vivre, on a un Dieu qui est notre défenseur et qui est notre rédempteur et qui est là pour nous. Et quand on écrivait ce chant avec Dan et Jérémy Poulet, on a étudié plusieurs versets et on est tombé sur ce verset dans Romains 8, 35 qui dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Pas les angoisses, pas les difficultés, pas les épreuves, pas la persécution, rien ne peut nous séparer de son amour. Donc ça a été un petit peu notre fil rouge pendant tout le chant. On vit tous des angoisses, mais en fait on a un Dieu qui ne fuit pas devant ses angoisses et rien ne peut nous séparer de son amour. Et donc c'est un chant de foi qui est magnifique, je trouve. Et c'est aussi un chant qui a une autre facette parce que donc on voit Dieu qui est là dans nos difficultés, mais on avait aussi envie de prendre position dans ce chant. Et on ne prend pas position avec nos propres forces ou nos propres moyens, mais c'était une prise de position assez, je ne sais pas comment dire, assez douce en fait. Au milieu de l'orage, je t'attendrai, si l'angoisse fait rage, je choisis de rester. Même au milieu des flammes, je choisis de te louer encore. Et je pense que c'est la beauté de ce chant et c'est ce qui fait qu'il est très profond parce qu'on prend conscience de qui Dieu est et ce qu'il fait pour nous dans nos difficultés. Mais il y a aussi cette idée de rester. Et c'est de la foi en fait de rester au milieu de tout ça. Et c'est de la foi de rester et de s'accrocher à Dieu, de faire de son amour notre ancre. Et c'était un petit peu notre prière au travers de ce chant, c'est que peu importe ce qu'on vit, peu importe qui va l'écouter ou la manière dont ce chant va vous atteindre, que vous puissiez vous l'approprier, vous l'approprier pour des proches, mais que vous puissiez juste réaliser qu'au milieu de tout ce qu'on vit ou de ce que vous pouvez vivre personnellement, il y a un Dieu qui est pour vous et qui sera là pour vous toujours et que rien ne peut vous séparer de son amour.